Panneau de bienvenue. Qu'en dites-vous, mon cher Laloupe? Attendez, vous n'êtes pas sérieux, monsieur le maire? Et pourquoi donc? Du lilas, encore et toujours du lilas. Mais vous oubliez qu'il y a aussi, et ça tout le monde doit le savoir, les monstres. Les monstres doivent absolument figurer sur ce panneau. Chut, vous savez bien qu'il ne faut pas prononcer ce mot. Ça porte malheur. Cette superstition est complètement idiote. Et je le prouverai. Vous serez bien obligé de l'avouer quand j'aurai attrapé, moi, Laloupe, un de ces monstres. Monstre et remonstre. Vous êtes fatigant à la fin, Laloupe. Et méfiez-vous donc de qui, vous savez. Ils sont toujours là quand on ne s'y attend pas. N'est-ce pas, Calepied? Pof! Ouais, c'est génial! Ça, c'est du grand art! Allons voir où il en est, le propre atout! Fais voir! Oh, ça ressemble à rien! Hé, visez un peu ce qu'a fait Kitou! C'est la pire des autres! Mon dessin! Rends-le-moi, papa! Allez! Ah, montre-moi dans ce que tu as là, ma petite horreur! Mais c'est tout propre! Bah, à faire fuir une mouche, c'est dégueulasse! Encore à faire des âneries, hein? Papa, non! Le mien, c'est le plus moche et il est pour toi, mon papa d'horreur! Ah, c'est à vomir, ma fustule! Voilà, le propre à tout. Prendons exemple sur le dessin de ta sœurette. C'est une artiste, elle. J'y connais rien en art, mais je sais ce que je lèche. Et ça, c'est une pièce de goût, ma petite vermine. Mémé Batavia. Qu'est-ce qu'il veut encore, le casse-pied, hein? Oh, pire! Dis donc, tu te serais pas encore lavé, toi, aujourd'hui, mais t'es vraiment la honte de la famille! Personne ne m'aime. À table! Les femmes et les enfants après! Ne m'en fiche même pas fin! Ce soir, les enfants, c'est la pleine lune. Alors, ça va être la méga giga big fiesta du mois. Car ce soir, Lilaville nous tend les bras. Maman, pourquoi tout le monde accroche ça aux portes? C'est pour éloigner les monstres. Tais-toi donc, c'est interdit de dire ça. Allez, file sous ta couette, vite. Cette fois, c'est la bonne. J'aurai enfin un de ces spécimens. Et je ferai un cours de monstrologie à tous ces froussards! Bande de peureux superstitieux! Pouah! Mouviette, chochotte! Vous transformez Lilaville en parfumerie! Yahoo! Voilà, j'arrive! Jamais personne ne doit découvrir le secret de Lilaville. Sans vous, mes chers monstres, c'en est fini du lilas.
Je suis bien obligé de vous protéger envers et contre tous. Une empreinte comme ça, ça sent le monstre. En garde, mes gaillards. Hé, hey, bande de vieux poux. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est moi qui l'ai perdu. Non! Arrêtez! Touchez pas à ça! Vous imaginez celui qui a fait cette pièce montée a dû y passer des heures et vous voulez la détruire alors que vous n'aimez même pas ça! Vous êtes vraiment des monstres! Bien sûr qu'on est des monstres et pas mal! Si vous faites ça, je m'en vais pour toujours! Ah ben, qu'est-ce que t'attends pour partir? C'est par ici la sortie. Ouais, bon débarras. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il reviendra quand il sera vraiment sale et mal élevé. Oh. À vos souhaits, monsieur. Merci. Ma proche pas. Sale monstre. N'ayez pas peur. Je suis pas méchant. Attends. Attends, au secours. C'est toujours la même chose, Lucie. Tu passes ton temps à rêvasser au lieu de travailler. Résultat, tu ne connais pas ta poésie pour demain. Mais j'ai beaucoup trop de devoirs, maman. Tu exagères. Demain matin, tu me la récites avant de partir à l'école et je te conseille de la connaître sur le bout des ongles. Sinon, je te préviens, pas de sortie mercredi. Bah t'es qui toi? Je m'appelle Kitou. Je suis un scrognonieux. Et moi c'est Lucie. Alors toi, t'as pas peur de moi? Ben non. Mon instituteur, monsieur Laloupe, il dit qu'il faut pas avoir peur de vous. Et puis moi je te trouve très mignon avec tes 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeux de biche. Je peux rester avec toi, dis. Je peux rester. Mais tu dois pas rentrer maintenant. J'ai plus de maison. Je suis partie de chez moi. Si tu veux, tu peux rester ici autant que tu veux. Et tu pourras te cacher sous mon lit. Et ce sera notre secret à tous les deux. Oh. Et si tu veux, pour tes devoirs, on peut les faire ensemble. Hé, dis donc, t'es plus du tout drôle là. Mais moi, tu vas voir, je vais t'aider à avoir une mémoire monstrueuse. Ce sont eux, monsieur l'agent. Seuls des monstres peuvent faire des dégâts pareils. Cette
fois-ci, mais Lascar, je vous tiens. Ne bougez pas, surtout ne bougez pas, compris? L'affaire est dans le sac. Ne poussez pas. J'étais là la première, vieux débris. Taisez-vous, les ancêtres, on arrive. Fois de scrogne-gne, ma saleté. Mais hey, qui je veux embêter, moi? T'as une idée? Poilu, touffu, toujours à l'affût, les crocs à cran, six yeux brillants, à la queue leuleux, ce sont les... Affreux et crasseux. Affreux et crasseux. Cette poésie est vraiment stupide, mais tu la sais parfaitement. Tu vois, quand tu veux te donner la peine. Eh bien, monsieur l'instituteur, quel bel exemple pour la jeunesse de notre ville. Ce sont les monts. Je vous avais pourtant bien dit que ça porte malheur d'évoquer leur nom.